Bonjour à tous. Depuis le 16 août dernier, Weaven est disponible au téléchargement depuis le launcher Ankama ou Steam. Vous en avez forcément entendu parler à un moment donné, que ce soit de par le développement chaotique du jeu, les différentes alphas, ou tout simplement la hype récente. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Est-ce que c'est un bon jeu? Bien qu'il soit disponible depuis le 16 août, le jeu n'est pas en version définitive, c'est une early access et c'est un point très important à souligner car il faudra le garder en tête pour tout ce que l'on va dire au cours de cette vidéo. Mais avant ça, Weaven c'est quoi? Annoncé en 2016, Weaven c'est le dernier jeu en date d'Ankama. Il reprend l'univers du Crossmos directement après les événements de la saison 4 de Wakfu, un tactical RPG dans lequel deck building et theorycraft seront obligatoires pour avancer. Entièrement free to play, la boutique propose un court battle pass et dans légèrement la progression, mais rien d'obligatoire, 99% de celle-ci est consacrée à du cosmétique. Le but de Weaven est d'incarner un héros, d'enchaîner les quêtes, les combats pour dropper de l'équipement, des sorts ou des compagnons. Et dans le fond, c'est à peu près tout. En effet, l'histoire du jeu et les quêtes narratives ne sont pas encore révélées. Le jeu se déroulant après les événements de la saison 4 de Wakfu, ces dernières n'étant pas encore sorties, ce serait spoiler la série. Du coup, l'immersion du jeu elle est directement un petit peu entachée. Rassurez-vous, il y a cependant toute une tripotée de quêtes, de donjons et de secrets à découvrir. Le gros point positif, tout est doublé. Bonjour. Vous aussi vous aimez nos amis les animaux? On a rêvé du doublage sur Dofus au lieu des dialogues à rallonge, Weaven l'ont fait. Ces quêtes vous demanderont systématiquement de réaliser des combats rapides, exit le FedEx. Ils sont tous rejouables et le système de journal de bord demandera des actions spécifiques durant les combats. En accomplissant ces défis, vous obtiendrez des points de quête, des PQ, qui vous permettront de débrouiller des donjons, des nouvelles zones ou encore du cosmétique. Ces derniers sont d'ailleurs un poil frustrants car les objets décoratifs d'une île nous sont offerts directement, mais les apparences de bateaux et d'îles doivent être achetées en plus d'avoir le montant de PQ requis. Pour réaliser tout ça, vous incarnez un héros. Au nombre de 5, chaque classe vous proposera 5 branches différentes, gonflant donc au nombre de 25 le nombre de personnages jouables. D'ici à la sortie officielle, de nouvelles classes devraient étoffer la liste, mais attention, toutes les classes du monde des 12 ne seront pas disponibles à terme. Chaque personnage va bénéficier de caractéristiques de base et de passifs différents qui orienteront son gameplay. Et pour rendre encore plus unique votre façon de jouer, vous avez accès à un arbre de compétences. Tous les niveaux, vous gagnez 5 points que vous pouvez répartir comme bon vous semble. N'ayez pas peur de l'erreur, vous pouvez le réinitialiser quand vous le souhaitez, donc tester et innover. Il ne vous restera plus qu'à loot les différents sorts, équipements et compagnons pour optimiser votre personnage. Les derniers profitent également d'un système de leveling, il vous faudra acquérir plusieurs fois un sort, un équipement ou un compagnon pour le level up. Et ce n'est pas tout, vous pourrez booster leur puissance en utilisant des runes, ce qui est bon à savoir, c'est que les équipements et compagnons sont communs entre tous les personnages et que vous pouvez switch à tout moment. Toute la partie précédente concernait le PvE, les quêtes et les succès. Rassurez-vous, il existe aussi un système de PvP en passant notamment par le Coliseum. Dans ce mode, vous ne pouvez pas prendre votre équipement, mais vous avez accès à l'ensemble des compagnons et des sorts, le tout au niveau 1. Dans un premier temps, ce choix peut surprendre et notre premier réflexe se dire « à quoi bon ce petit ?». Mais il est vrai que cela donne des combats plaisants où chacun a sa chance d'obtenir des victoires. Les récompenses directes ne sont pas folichonnes, hein, à peine 30 kama par combat, mais toutes les deux victoires, vous débloquez un coffre, et il y en a 6 au total, avec un reset journalier à 11h. Mais attention, vous n'avez le droit qu'à 3 défaites par jour. Je fais donc le bilan de ce que l'on a dit, très peu de lore mais beaucoup de quêtes, des succès qui y sont associés permettant une rejouabilité, énormément de personnages jouables avec des possibilités infinies, et un système de PvP ouvert à tous. Sur le papier, pour un jeu, cela fait relativement peu de choses. Mais n'oublions pas que c'est une early, le staff nous disait lors de la Japan qu'environ 70% du jeu serait disponible. Il reste donc de belles choses à venir sur Weaven, avec notamment l'accès au level 100, de nouvelles classes, les guildes, l'histoire, le PvP et les attaques d'île, mais surtout l'accès au jeu sur mobile et tablette, puisque c'est ça la grande promesse de Weaven. Difficile donc de donner un avis définitif sur Weaven. Actuellement, c'est un jeu plaisant à jouer dans la découverte et le leveling, mais on sent que le jeu n'est pas complet et on reste un petit peu sur notre faim. La DA, les musiques sont incroyables, et on se remet d'ailleurs un petit coup de la DS Kra pour le kiff. True joy and the source of life is found at the bottom of craters. You love sooner or later. Mais le manque d'histoire fait défaut pour trouver un véritable objectif. Le partage de contenu entre chaque perso est intéressant et incite à recréer des persos, mais l'absence de récompense sur les rôles peut vite freiner une progression vu qu'il faut redrop les sorts. Et enfin, le endgame se résumant à taper les mêmes choses en boucle pour avoir les mêmes loots en boucle et ainsi level up ses items en boucle, ça peut être rébarbatif.
un jeu à potentiel, mais comme tout Early Access, il n'est pas fini, et pour ma part, j'ai du mal à me voir m'y accrocher sur du long terme pour l'instant. Le mieux, c'est encore de tester, de vous faire votre propre avis, et n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires avec vos idées pour l'avenir du jeu. On se laisse sur ça, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!